appelé de par le monde un voleur de pierre. Cette activité, à première vue condamnable, lui est apparue comme une nécessité. Pas que je veuille le défendre, mais c'est juste pour expliquer. Alors voilà, il y a eu un cataclysme. Avant cela, le voleur de pierre avait une maison modeste mais suffisante, avec dedans sa compagne et ses enfants aimants, dehors un boulot respectable et prenant, et partout beaucoup de ses contraintes habituelles et de ses petits soucis, des joies aussi. Bref, tout ce qu'il faut pour prétendre avoir une existence honorable. Il y avait travaillé presque toute sa vie. Pourtant, il sentait comme un vide intime, une chose désagréable, mal définie.